Eh bien, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à remplacer les bandes noires d'un clip, par exemple, qui sont tout à fait dégueulasses, et les remplacer par un joli flou à l'arrière. Donc, on va prendre une vidéo qui date un peu de la SNCF, avec la carte Kiwi. Donc, vous allez la glisser dans votre bande de montage. Vous allez faire non. Hop. Vous allez, donc... Déjà, donc quand vous avez votre clip, vous mettez, donc vous allez ici tout en haut, donc projet vidéo de projet, donc Alt Entrée, voilà. Et là, vous allez mettre soit en Full HD, soit en HD comme vous voulez, mais il faut que ce soit du 16:9. Donc là, vous voyez, vous avez des grosses bandes noires et c'est très moche parce que c'est un vieux clip. Donc du coup, ce que je propose de faire, c'est que vous allez faire copier, clic droit, ajouter. Insérer une piste vidéo, coller, et là voilà, vous allez avoir vos deux pistes. Vous dites ouais, c'est bien, mais ça sert à quoi tout juste? Donc en fait, donc la première piste, enfin celle que vous venez de copier, vous allez la réduire de taille. Donc là, vous voyez que bah c'est très moche. Hein. Donc on va carrément, au mieux de remplacer direct les bandes noires, on va carrément la dézoomer comme ça. Voilà. Et maintenant, on va passer sur la deuxième piste. Donc, sur la deuxième piste, vous allez aller dans effet panoramique, je crois que ça s'appelle panoramique recadrage événement. Donc, conserver les proportions ici. Vous allez faire non. Voilà. Donc, là, c'est tout à fait dégueulasse. Ensuite, vous allez aller dans effet d'événement. Vous allez chercher flou gaussien. Vous allez ajouter et OK. Et là. Moi, je vous conseille de mettre 500 ou 300 comme vous voulez. Donc, moi, je mets 500 personnellement. Voilà. Donc là, vous avez votre clip. Qui oui, l'enfant de moins de 16 ans. Et ceux qui l'accompagnent jusqu'à 4 personnes. Hey, tous, moitié prix. Moitié prix, c'est pas possible. Donc là, vous voyez, vous avez votre clip avec un petit flou à l'arrière, que ça soit joli. Donc voilà, les amis, merci d'avoir regardé ce petit tuto. Et à bientôt.